Merci. Bonjour tout le monde et bonjour nos téléspectateurs et auditeurs qui peuvent suivre nous. Nous commençons la journée avec second reading, public bill. Bien, madame. Madame Clark, nous parlons. LGB, on commence avec motion pour second reading, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. Bonjour, Mr. Speaker. Bonjour tout le monde, tout bonnement, mais tout le monde qui fait écoute nous dans la cour, including bon membre de l'opposition, qui m'ont imaginé un PV, nous, la télévision, à cause de nous pas voir les autres là dans l'Assemblée aujourd'hui. Mr. Speaker, LGB, nous allons attendre un petit moment, le ministre y a fait son rentrée, s'il vous plaît. D'accord. Merci. En attendant, Mr. Speaker, est-ce qu'il nous donnait 7 jours? Oui, non, merci. Oui. Good. C'est ça qui m'a fait essayer de vérifier avec Mme Clark. Merci, oui. Très bien. Bonjour, ministre Flavien Joubert, ministre pour l'Agriculture, changement climat et l'environnement. Et avec ministre dans son délégation, il y a Madame Marie-Mé Jérémy, directrice générale pour Biodiversity Conservation and Management. Et M. Stephen Knights, Assistant Principal State Counsel dans le bureau Attorney General. Et Madame Sharon Jerry, Senior Legal Officer, dans Ministry of Environment and Climate Change. Très bien. Avec ça, honorable George, nous parlons pour procéder avec vos motions pour second reading. Merci, Mr. Speaker. Bonjour au ministre, avec vos délégations, et welcome dans l'Assemblée qui est intéressée pour écouter et pour travailler pour Cécile. Mr. Speaker, en bas de 69D, mon move qui Trade of Wild Fauna and Flora Bill 2021. Il gagne une deuxième fois. Merci. Merci, Madame Secondment. Yes, Honorable Barisol. Merci, Monsieur le Speaker. Bonjour, ministre, avec la délégation. Bonjour, tout le monde de l'Assemblée nationale qui est présent. Bonjour, tout le monde qui l'écoute. Je suis content. Seconde motion présentée par Honorable Bernard Jose. Merci. Merci, Honorable ministre. Je vous invite pour faire introduction, présentation de l'Oubil. Merci, Monsieur le Speaker. Bonjour, tout le monde de l'Assemblée nationale. Et bonjour tout le monde qui peut écouter aujourd'hui, bon matin. Et Monsieur le Speaker, merci pour donner moi l'opportunité pour présenter la loi qui concerne mon activité commerciale dans l'espèce, la plante ou les animaux qui est dans cette disparition. Monsieur le Speaker, le ministère pour l'Agriculture, le changement climat et l'environnement il développe sa projet de loi pour être cessé des services sur l'obligation qui est liée avec la convention qui règle mon activité commerce international dans l'espèce, la plante et les animaux, autrement appelé CITES, ou soit Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Paris nous connaît, bon, biodiversité CCL unique, et il y a une voie ici. Il est important qu'ils nous mettent bonne mesure en place pour aider qu'il y ait une activité commerciale pas affectée de l'existence. CCL qui venait membre de sa convention le 8 février 1977. Sa convention est aidée à régler bon, l'espèce dans le commerce. Sa bande d'espèces est listée en bas trois annexes qui varient d'après le degré de protection qu'ils ont besoin. Annexe N concerne l'espèce qui est vraiment en danger et qui peut être menacée et qui est en voie de disparition.
annexe D, qui inclut dans l'espèce, qui même si vous êtes danger, vous n'êtes pas nécessairement menacé avec disparition, mais c'est moins nécessaire qu'il y ait une activité qui est réglée et faite d'une façon soutenable. Annexe 3, il y en a pour faire avec l'espèce qui est listée par le pays membre, à cause de l'espèce qui est importante pour vous nationalement. Ils ont besoin de l'assistance internationale pour aider contrôle sa bonne activité commerciale. Cécile, il déjà pu faire commerce dans certaines espèces qui sont listées dans sa convention. Ça y inclut l'espèce telle qui tortiséan, ça y l'annexe D depuis 1977, et noix, coco de mer, qui l'annexe 3 depuis 2010. Il y en a même dans les autres espèces qui ne sont pas nécessairement endémiques, mais qui aussi gagnent trouver Cécile. Ça y inclut l'espèce requin, l'espèce larée, ainsi que l'espèce barbara et les autres encore. Il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont listées en bas annexe NXD, qui ne peuvent pas faire commerce là-dedans, mais qui existent comment une protection en vie, l'intérêt là-dedans. Certaines sont l'espèce, il y a aussi même listé la liste rouge, International Union for Conservation of Nature, une union internationale qui est concernée avec conservation de la nature. Tout ça dans l'espèce est important pour le fonctionnement de l'écosystème. Monsieur le Speaker, on peut mettre devant ça l'Assemblée, qui en bas, annexe N, il y en a 1082 l'espèce, annexe D, il y en a 37420, et annexe 3, il y en a 211 l'espèce qui a été trouvée globalement. Sa bonne annexe, il a été amendé tous les 3 ans, les bons pays qui membres sa convention, ils joignent pour faire différentes discussions. Aujourd'hui, sa convention, il y en a 183 membres, et l'autre prochain meeting, il a été planifié pour 2022. Même si c'est une partie de sa convention pour plusieurs années, il n'est pas capable d'établir une législation domestique pour implémenter l'obligation par nous de vrai. En vue que sa convention est aussi une qui est légale pour le pays, ça veut dire legally binding, nous à présent retrouvons dans la catégorie 3. Ça implique la catégorie convention qui veut dire, ça implique la catégorie en bas de la convention qui veut dire que nous ne pouvons pas honorer nos bonnes responsabilités pour implémenter sa convention entièrement. Comment un pays membre, nous seulement mettons en place bonne mesure ou soit procédé administratif qui administrait l'environnement pour maintenir certains niveaux de contrôle, mais seulement nous allons nos devoirs pour nous honorer nos commitments et mettre sa nouveau la loi en force. En faisant ça, nous sommes capables de gagner l'assistance internationale, inclure l'assistance avec les autres parties, membres de sa convention, pour renforcer l'implémentation de la loi. Ça va un pays, il vient comme un point de contrôle, un checkpoint. Que si on a une activité commerce légale, illégale, de sa bonne espèce, en danger qu'il sorte de ses ça va un pays capable d'intercepter sa bonne dimoune qui commet sa bonne qualité d'offense. Ça, la loi, il peut aussi aider nos ministères pour mettre en place une mesure légale pour plus mieux protéger sa bonne espèce qui gagne un clic dans le commerce. Ça, il y a un clic pour mettre en place une pénalty pour l'offense illégale qui gagne causé, ainsi qu'il établit un système quota qui est capable gagne servi pour commerce. Monsieur le Speaker, procédure pour préparer sa posée des lois qui commence depuis 2016. Il y en a beaucoup de consultations avec nos partenaires ainsi que les gens concernés. Le ministère travaille en première version, sa bille qui s'est soumise à l'Office Attorney General. Malheureusement, l'ouvrage n'a pas été complété pendant sa temps à cause de la priorité de l'Office. En 2020, le ministère a retourné au cabinet pour élever l'importance de sa mort sur la loi. Et la cabinet qui donne l'approbation ministère de l'Environnement et que l'Office Attorney General pour finaliser ça, la loi. Sa version de la loi est plus récente, qui est plus récente, qui aussi gagne présenté avec le secrétariat de convention ainsi que les partenaires clés. Sa bille qui nous peut présenter devant vous aujourd'hui, il établit une provision pour légaliser une procédure administrative qui le ministère de l'Environnement met en place, ainsi qu'il donne plus de protection dans l'espèce. En vue qu'il n'a pas la loi compréhensive qui vraiment protège nous dans l'espèce, la plante et les animaux, le ministère de l'Environnement tira les nécessaires pour faire provision de sa loi pour permettre une certaine protection spécifique qui est vraiment nécessaire. Alors, ça habile pour aider, en plus, Cécile gagne servi comme un endroit pour un commerce illégal. Et aussi gagne faire pour aider l'autorité pour plus bien zèle et protéger l'existence de l'espèce. Nous t'apprécions, nous t'y avons apprécié, qui ban membre de l'Assemblée reconnaître l'importance de telle la loi et qui nous donne tout support pour faire divine, pour faire les gagner mettre en force. Merci, M. le Speaker. Merci.
nous avons procédé avec débat le mérite général Bill. Honorable John Warwick, capable de commencer, oui. Merci, Monsieur le Speaker. Bonjour, Monsieur le Speaker. Bonjour tout le monde à l'écoute. Monsieur le Speaker, sa bill, il permet domestication, ban l'obligation convention internationale au trade in endangered species, connu comme CITES, qui est formé après une résolution IUOC, International Union of Conservation, en 1963. En 1973, un pays membre des Nations Unies qui commence à signer sa convention. Et c'est celle qui s'est voyée derrière aussi, comme un membre des Nations Unies, il a aussi signé sa convention et aussi ratifié sa convention parmi sa 183 pays. Monsieur le Speaker, Sabil, peut faire un trou qui existait déjà dans la loi à l'environnement, dans le sens qui peut empêcher l'importation ou l'exportation de l'espèce en danger, mais il peut aussi empêcher ces celles qui ont servi comment, et la loi quand il arrive dans le transshipment ou bien transit pour avoir l'espèce en danger. Il peut aussi, Monsieur le Speaker, il peut aider aussi pour nous mettre en pratique 15e goal, 15e Sustainable Development Goal, qui en effet peut demander nous pour protéger et empêcher disparition complète de l'espèce en bas menace si exploitation pour que nos enfants demain soient capables de bénéficier et jouir. Monsieur le Speaker, nous avons l'obligation pour quitter ce monde plus bien que nous venons de lui. En disant ça, nous avons besoin de faire ci, que tout qui est possible, nous, que tout qui est possible à nous l'apporter, gagne faire pour nous préserver nos biodiversités, pour ne pas perdre nos biodiversités. Là-dehors, il y a dans ce temps beaucoup de secrets, beaucoup de connaissances qui nous cassent dans bon plan. Aux animaux, qui si nous prenons le temps pour étudier les autres, nous pouvons probablement capables de voir solution pour beaucoup de nos problèmes médicaux et découvrir de nouveaux latisans. Beaucoup de scientifiques croient que dans la nature, il y a une solution pour tous nos problèmes médicaux. À travers conservation et contrôle, le wildlife trade, nous-mêmes capables d'exhiber nos bons plans et les animaux rares avec les mondes, d'une façon pour attirer plus visiteurs. Et ça, il y en a une retombée directe, la réduction de la pauvreté à travers l'argent qui peut découler dans ce secteur tourisme et secteur service. Il fait moins imaginer l'espèce carrée dans la mer qui gagne exploité pour son lacoque. En effet, un carré vivant dans la nature, il y a un potentiel pour amener beaucoup plus l'argent à travers le tourisme et qui bonne visiteur qui viennent visiter nos pays et viennent revisiter nos pays encore pour le couler, pour le voir sa bonne l'espèce de la mer. Tandis qu'il y a un carré qui gagne tout pour son lacoque, il peut amener nos $10 et sa ressource il finit la même. L'éléphant et le rhino, il passe même sort de la savane l'Afrique. C'est celle, nous sommes censés dans le sens que nous bonne société civile. Ils ont un grand rôle pour mettre à l'avant sort de l'espèce en danger. Et là, mon petit sapo avec un dimon pareil, un animal du Vancha, qui tout le temps, qui en charge Nature Seychelles, et tout le temps causé pour sa bonne conservation. Et faire ainsi qui nous bannent l'espèce, soit bannent qui nous trade, soit bannent qui est en conservation ici, qui ça bannent l'espèce, il reste là pour nous bannes enfants oui. Faudrait nous ajouter que l'espèce lézard et caméléon qui peut vivre dans la vallée de mer, peut aujourd'hui gagner voler
et vendre à l'étranger. Chaque animaux et plants, il y a une valeur écologique dans la nature. C'est pareil un petit maillon d'un grand la Seine. Souvent fois, nous appelons ça la Seine manger, une food chain. Par exemple, ce caméléon il aide pour contrôler les insectes qui détruisent certains plants qui vivent dans la forêt vallée de Mai. Tandis que ça les a aidé pour nouer les cocos de mer, les autres roses de pollen et les autres lisses de pollen, les fleurs mâles et après plus tard les autres masses, les fleurs femelles. Alors, chacun y a son rôle. Dis imaginez si y arrive, qui peut arriver, les nous détruit un savant maillot dans la Seine. Monsieur le Speaker, certains espèces poissons dans nos délots, ils peuvent aussi gagner s'y exploiter. Aujourd'hui, il y a un contrôle total aux espèces Barbara, l'espèce Tonzon et l'espèce Oumar. Nous avons certains plants, pareil jellyfish plant, qui a été trouvé à Cécile, et n'a pas beaucoup, et n'a pas beaucoup lui-même. Alors, c'est la loi pour faire la justice pour toute cette bonne espèce qui est en danger de disparition. Monsieur le Speaker, un autre point important, c'est pour aussi empêcher l'invasion des animaux ou bien plants invasifs qui sont capables de menacer nos colonies et nos espèces endémiques Cécile. Dans l'autre thème, c'est pour maintenir nos biosécurité. Par exemple, nous voyons qu'il y a l'introduction d'un green parroquet, perroquet vert, par une appelée, qui peut multiplier vite et qui a un potentiel pour détruire, pour entrer en compétition, manger avec nos black parrot qui ont trouvé endémiquement Cécile. Et ça, c'est pour capable d'amener une destruction et notre sade l'espèce. Monsieur le Speaker, si nous ne contrôlons pas le trade dans l'espèce, nous sommes capables aussi d'introduire de nouvelles maladies et insectes dans nos pays. Nous avons sa famille together avec Whitefly, qui m'a une entrée dans nos pays, peut-être en travers le trade dans certaines façons, ou bien peut-être dans travers certaines commodités qui ont importé Cécile et qui ont été take a ride low, là, qui arrivent dans nos pays. Monsieur le Speaker, pour terminer, je vous dis que c'est la loi, il y a qui bien drafté et fait provision pour un management authority qui ministère l'environnement lui-même, mais est capable aussi de déléguer sa responsabilité avec un licence. Sa l'autorité est capable de donner licence, permis et enregistrer bandi moun qui fait bon business avec l'exportation ou l'importation de l'espèce qui gagne trade en bas certaines restrictions. Par exemple, ban qui exporte Barbara, Tortiséan et les autres. Il fait provision pour un pile board et qui a servi contre décision pour contester contre décision et aussi maintenir record ban activité de Salani. Il aussi fait provision à l'autorité scientifique qui est capable d'étudier l'impact trade de l'espèce. Sa l'autorité est capable d'établir un quota et donner certaines guidances à l'autorité management, l'ociser lesquels nouveaux, l'espèce qui est capable de mettre l'annexe, l'espèce qui est capable de trade, laisse sa convention. Ils ont tous les 3 ans. Ce qui est aussi évident, c'est qu'il fait provision pour enforcement officers pour engager dans policing sa la loi avec full constabulary powers. Il est capable, la police, il est capable des officiers custom, il est capable des officiers de l'armée ou bien des officiers de la paix. Qui gagne formé pour faire sa l'ouvrage. Il est capable de retour, investiguer et faire la fouille. Punition pour aussi sévère pour les gens qui cassent la loi. Et là, la punition qui peut gagner proposer, c'est l'amende
à peu près 100 000 OP pour ça que l'espèce qui est capable de compound aussi. Et ensuite, arrive jusqu'à 1 million OP maximum. Ou bien 5 ans prison. Alors, Monsieur le Speaker, je crois pour dire ça la loi, il y a une qui est dans la bonne direction et il y a une qui pour aider nous. Pas juste préserver nous et conserver notre biodiversité, mais pour aider nous contrôler sa bonne espèce qui a servi pour trade. Mais plus loin de ça, il y a un potentiel aussi pour contrôler activité, comment nous dit ça, ban terroriste qui servit sa forme trade pour capable gagner l'argent pour acheter des armes ou bien pour faire certaines destructions. Avec ça, je vous remercie, Monsieur le Speaker. Merci. Honorable Boireau, honorable Woodcock, oui. Merci, Monsieur le Speaker. Mon intervention, l'osa la loi, pour bref. En effet, Monsieur le Speaker, pour aller à une île qui nous. On a beaucoup de mer qui est indigenous de nos îles. Et vraiment, vraiment important qu'ils nous protègent, Il y a une plante endémique, une plante qui, ouais, supposé, Zissa, qui a trouvé ces îles. Et il est important qu'ils nous protègent, et aussi ben, les autres espèces endémiques importantes, les espèces animaux et les plantes endémiques. Mais malheureusement, M. Speaker, nous avons il manque un peu l'emphase. La protection de l'espèce endémique, nous de la plante, surtout le coco de mer dans le passé. Une fois que je suis arrivé ici, aujourd'hui, on peut voir le plusieurs websites dans le monde. On peut voir le coco de mer, nous peut voir nos tortisérants qui peuvent disposer de banzo, qui peuvent illégalement dans nos pays, ou soit qui peuvent somehow faire passer. Moi, je connais ça avec les portes, avec. Porte, par exemple, de bon pays à l'étranger, qui peut gagner un display de bonnes zones et permettre beaucoup d'argent pour ce bon pays. Et ça qui est aussi ça que nous expliquons, nous avons des mères qui se posent juste pour nous cesser. Mais il y a une faute que nos gouvernements précédents ont fait dans le passé. Quand nous prenons nos cocos de mer, nous faisons cadeau plusieurs pays à l'étranger pour nous prendre dans d'autres jardins. Il y a un jardin qui est dans le Botanical Garden. Mais après qu'il nous noie, ben, sa bonne pays servit sa coco de mer, j'ai exploite sa coco de mer, même aujourd'hui, c'est sa bonne pays qui peut faire donation, nous coco de mer qui s'est posé pour cesser, puis faire donation avec les autres pays, à cause d'une plante ça, augmente production de coco de mer dans d'autres pays. Une fois que ça n'a pas beaucoup de temps passé, nous noie, côté Thaïlande, fait donation de coco de mer avec la Réunion. Coco de mer qui suppose indigenous to Seychelles. Nous avons aussi donation. Nous connaissons aujourd'hui que Coco de mer peut pousser sur Sri Lanka. Il peut pousser dans plusieurs pays du monde. Et quelque chose qui suppose pousser sur, qui nous pas protéger, qu'aujourd'hui, il est exploité, il n'arrive dans les autres pays. Alors, mon sentiment important pour nous protéger nos plantes endémiques. Et malheureusement, M. Speaker, nous pouvons voir aussi qu'il y a beaucoup de poaching, nous, Coco de mer, le parler. Aujourd'hui, il y a des bandes qui peuvent faire une action vraiment, vraiment sacrée. Pour tout couper Coco de mer, juste pour gagner sa Coco de mer. Et nous connaissons pour dire, tiens, un moment, tiens, un embargo, l'importation qu'on a. Et nous sentons pour dire, nous devons faire attention. Importation aucune, nous devons l'espèce, nous devons faire ce qui est soutenable, qui nous parle des situations 15 jours, nous n'est plus dans sa bonne l'espèce endémique, sa bonne plante endémique dans nos pays. Parce que ça qui est arrivé, Coco de mer, il a habitat pour plusieurs ben les autres espèces animaux ben insectes et plusieurs ben l'espèce qui est vraiment académique qui peut trouver ici c'est les ordinaires ben étrangers plantés dans nos pays je peux aller valer des mains je peux prendre ça ben l'espèce nous n'avons d'une part de les passer ils ont trouvé des bagages ici les arts les autres encore caméléon et ça ben espèce qui vont à l'étranger pour beaucoup d'argent et si on pas fait attention dans des jours nous perdons nous pouvons plus voir ça ben espèce dans nos pays alors ça là important pour nous protéger nos ben l'espèce endémique dans nos pays et l'autre question importante qui nous fait sortir ça là vraiment important aussi pour nous faire attention quoi qui nous allons planter dans nos pays qui bonne qualité plante qui nous allons planter dans nos pays qui bonne qualité l'espèce qui nous a apporté dans nos pays à cause de l'année passée, nous avons une situation où
ban plusieurs ban qualité zincé quand ban pestante dans nos pays pareil nous noirs ça qui c'est ce voyage pour aujourd'hui tu bébé together nous noirs aussi c'est ni prime dans tes dans nos pays alors important pour nous faire pour nous veiller nos bordes pour faire si quoi qui peut entrer et sortir nos pays qui est que ça ban l'espèce endémique qui est que les plantes qui est que les animaux tout ça là pour protéger nos territoires pour protéger nos habitat naturel nous flora et nous fauna. Avec ça, des monsieur speaker, ça n'a rien là droit qui même s'il vient un pays un pétard, mais c'est maintenant nous avons relevant c'est l'importance qui ça doit pevin et aujourd'hui devant nous l'assemblée. Avec ça, les monsieur speaker, moi pour supporte ça la loi. Merci. Merci honorable Woodcock, nous passe l'honorable William. Merci, Mr. Speaker. Bonjour, ministre, avec l'équipe qui est au panel. Bonjour, tout le monde public à l'écoute. Monsieur le Speaker, comment un citoyen, un petit état d'asile, nous n'a pas soi, mais nous besoin de la direction. Et moi, pour donner mon support à sa bille, à cause de mon réaliser que l'importance qui sa bille peut viser vis-à-vis protection et empêche une transaction qu'on a pour faire avec nos bonnes plantes et nos bonnes animaux endémiques. Je suis que moi un petit peu concerné à cause de temps où on peut regarder l'histoire, on voit qui c'est celle qui a cédé sa convention le 8 février 1977, et il prend l'effet le 9 mai 1977, mais je ne pas voir qui beaucoup de gens fait, mais seulement pas reconnaître, nous apprendre par nos fautes, et bien qui nous permet ça l'amendement aujourd'hui. Je suis quand même en même temps, le temps nous peut causer ça poser de loi, il est important qu'il nous pouvons noter qui aujourd'hui dans sa bataille pour nous conserver et protéger nous bonne l'espèce. Il paye des affaires de ce gouvernement, mais il devrait être un conseil des affaires de chaque citoyen, c'est ses lois. Je suis comme on dit ça à cause avec sa monde globalisé, citoyen voyager. Et nous tombons dans différentes tentations, soit en cassette pour entrer avec ben, différentes qualités de quelque chose. Parfois nous gagnons détecté, parfois nous ne gagnons pas détecté. Mais nous ne pouvons pas vraiment prendre conscience si nos actions sont capables d'avoir un effet négatif dans la société. Et par une gagne dit, hier nous avons vu Séniplim et nous aussi. Gagne together, mais je suis qu'il y a un autre là qui est arrivé. Et un de mes amis dit, moi, pour dire, ça nous besoin d'appeler le forever. À cause tout ça là, je suis qu'il si nous ne pouvons pas prendre conscience, nous pouvons gagner envahir. Je suis qu'il mais en même temps, il fait moi aussi, tout sur certains points qui me demande la nouvelle administration pour réfléchir à cause, par exemple, nous envoyons un expert train pour capable insister loi train pour les capables détruire l'alien envahissant. Mais aujourd'hui nous continuons à voir qui nous peut gagner envahi. Et on leur demande mais qui vraiment qui nous peut faire pour capable gagner sa bataille. J'explique aussi nous voir dans nos différents districts la façon qui certains nous citoyens qui pas vraiment responsables. Je peux faire une action. Là, regardez, les autres pays graduellement affectés, nous bonnes flores avec fauna. Je suis comme moi, j'avais demandé que, malgré que mon écoute ministre, avec beaucoup d'attention, que nous n'avons pas la loi compréhensive, mais mon souhait, c'est que dans l'avenir, nous capables, au-delà de l'assistance d'un expert dehors, et en même temps, assurer que nous bonnes la loi
il a demandé ou soit nouveau la loi il vient en vigueur pour nous capable donner sa protection possible. Et nous besoin envoyer un message aussi assez très clair et fort là-dehors envers nos citoyens pour dire qu'il nous besoin réagir avec plus de responsabilité dans l'environnement qui nous besoin pour soutenabilité nos développements. Merci, M. Speaker. Merci, honorable. Honorable Gervais Henry. Merci, M. Speaker. Bonjour tout le monde. M. Speaker, pareil, ben intervenant avant moi, il citait pour dire sa projet de loi il vient dans un moment approprié et il nous parle de bonne direction. Mon présentation, je vais concentrer un petit peu la section 6, 7 avec 8, sa projet de loi qui fait provision pour l'autorité gestion, sa projet de loi et aussi l'autorité scientifique. Mon cause là à cause dans le monde de plusieurs pays et concerne vient particulièrement sorti côte société civile qui zèle l'environnement et mon comprend à cause autre fait ça bande concerne à cause ça bande du monde autres en ont vraiment un passion naturel pour sa secteur qu'ils autres là-dedans et autres lève beaucoup concerne pour dire sa convention le commerce international de ben l'espèce fragile endémique moi y a les appels autres il y en a concerne quantité et bonne concerne qu'ils ont pédi élevé c'est qui même si dans la plupart pays sa convention il donne ben pays qui signe et l'obligation pour autres établir un management authority ou soit un scientific authority. Zotou voit pour dire il y en a bonne défaillance. Et zotou les qui sa bonne défaillance, il gagne adressé. Et aujourd'hui moi aussi mon cause dans sa direction à cause comment est l'assemblée qui fait oversight, qui donne allocation budgétaire, sa bonne l'autorité compétent. Nous les qui zot délivrer. Nous les qui zot emmène résultat et bonne performance qui nous capable mesurer. Alors par conscience des autres bonne défaillance qui capable en mon souhaité qui n'avait pas faire autres faveur qui à long terme autres va capable nous n'avait capable proud of travail qu'ils ont fait basé les ressources qui nous mettent à notre disposition commençant par ça la loi. Une bonne défaillance autres voir c'est qui l'argent est toujours pas assez et si on n'a pas assez l'argent sa management authority ou sa scientific authority pas capable de travailler de façon effective et nous peut pas s'apposer de loi pour créer ça des bodies dans un moment quand nous pays peut faire face avec difficulté financière et alors seulement philosophie rester en nous faire plus avec plus petit gain possible qui nous capable y aussi doit être en un bon rapport surveillance qui sa bonne autorité souvent il doit être fait et nous voir pour dire pas assez ou ça pas adéquat. Personnellement moi j'en mets dans contexte CCL mon entend un rapport annuel sorti disons par exemple côté ministère de l'environnement avant qui dit que nous pour dire qui situation trade qui légal ou illégal dans sa secteur qui nous fait cause l'eau là. Pour qu'il y a l'eau capable de provoquer sensibilité du monde, l'eau s'assise pour dire ça, tout qu'on est vrai, nous qu'on a eu un problème. Entente, nous t'en un rapport, existément, des semaines ou trois semaines passées, ou des trois jours passés, c'est un rapport, l'eau pralin, vraiment triste moi, et ben du monde, il monte dans bois, dans sa semaine, il se passe d'ailleurs, bus stop, après Valais de Mille, dans le pays de Saint-Anne, un semaine qui me compte bien, quand je passe ta part, l'eau trail, go tonton. Ils ont une coupe sapier coco de mer net, une métate. Sauf quelque chose comme ça, non seulement nous besoin voir un rapport de médias, mais ben l'autorité compétente besoin faire rapport avec nous de temps à autre pour nous capable connaître qu'ils ont pu faire. Justement, dans la lutte contre poaching dans ces cell, à part ben reportage si mon le SBC par exemple, ben l'époque qui dit mon fait ben commerce illégal dans caméléon sorti ces cell, mais mon pas autant de plus que ça ou suivi qui m'a sa situation. Pegan adressé dans nos pays.
L'autre défi vient de l'implémentation de la loi. Et ça, à cross banem diez, c'est celle, souvent de fois, il y en a, ça concerne pour dire, oui, nous passons la loi, il y a la loi qui est moderne, mais son implémentation, qui est-ce qui nous peut faire vraiment bien? Et alors là, nous vous disons aujourd'hui comment l'Assemblée demandait qui, from this day forward, l'implémentation, il y a une priorité. Il y en a aussi un contrôle, l'eau nous la frontière, ça qui peut sortir, ça qui peut rentrer. Est-ce qu'il y en a assez de ressources humaines? Est-ce qu'il y en a assez de l'équipement, scanner, quelque chose comme ça, l'application technologie de travail pour permettre de mettre en application ça la loi qui nous peut passer? Et qui manière nous mérite renforcer bon travail en collaboration avec bon entité existant, pareil custom, pareil by l'agence biosecurity, qui tombe bien derrière, cause la présidente agricole qui a été ensemble avec le ministère de l'environnement, so, nous mérite capable de faire sa collaboration et donne nous plus bon résultat. Un bon défi encore qui bon NGO y cochonne, bon l'autorité, c'est peut-être nous mérite appliquer un peu plus technologie et move away from sa paper-based system. Côte à cause, un bon défi, si on y fait un faux permis, parfois. Et technologie comme elle permet quelque chose, faire un document fake qui, ou à peine, je ne sais pas. Un bon exemple typique, par exemple, un transport qui est tinted comme elle a le semen. Beaucoup d'autres, commissionnaires de la police, fait que dit nous, nous avons avec un permis qui est faux. Et alors, ça aussi, il peut appliquer pour sa l'autorité, sa management authority, avec sa scientific authority, qui ça la loi peut créer aujourd'hui, et je peux vous être conscient de ça. Collaboration mon causé avec ben, les autres MDS de gouvernement, mais aussi avec secteur privé. Intervenant avant moi, une nomme Nature Seychelles, nous voir pour dire secteur privé peut faire un bon travail remarquable. SIF, Island Conservation, qui m'a nous capable borrow from zot l'expérience, zot passion, zot grand l'expérience qui zot in accumulé pour plusieurs décennies et alors donner coup de main ça de nouveau l'autorité pour assurer qu'ils ont délivré le travail qu'ils ont pu faire au maximum. Et bien sûr ça la loi il peut gérer par un public servant qui va son management authority, mon collègue pour le ministère de l'environnement et l'autorité scientifique. Zot pour besoin en an en conversation continuelle avec ben les autres entités gouvernement, mais plus important c'est communauté business qui peut bénéficier commercialement de l'exploitation de ben l'espèce. C'est qu'ils ont pour besoin sa conversation continuelle pour dire que ça ben dit monde oui ou peut bénéficier avec ça, mais qui manière en retour aussi aider préserver ou aussi aider dans campagne l'éducation ou aussi assister de temps en temps pour donner nous bonne latest technology pour nous capable faire ça travail avec à cause tant que ça ou l'industrie il est soutenable il bon pour ou personnellement il bon pour pays il bon pour plus important génération future. So, mon senti il besoin d'une conversation continuelle là et donc ça y bon point qui monte sur les causes là, Mr. Speaker, qui concerne section 6, 7, 8 avec ça la loi. Mais on ne peut pas terminer sans mettre accent encore sur l'éducation. L'éducation pour tout le monde dans la préservation de l'espèce, pour nous apprécier l'existence de nos communautés, à cause de notre valeur pour nos pays, notre quelque chose unique. Mais plus important, nous qui peut vivre aujourd'hui, nous besoin préserver, quitte le monde et meilleur endroit que nous venons joindre. Et une façon pour faire ça, c'est par édicte du monde. Et finalement, l'état mon petit website, sa Convention on International Trade and Endangered Species, mon petit bon l'information concernant CECIL. So, dernière information, c'est qu'il y a update concernant son Management Authority, le 17 juillet 2018, et j'ai un nom, Ashley Dias, il y a encore avec ça du monde. Les Divines of Scientific Authority, dernière fois, c'est le 14 février 2014. Donc, c'est en passé. Alors, il donne moins raison pour dire encore qu'il, as long qu'il nous update
nous donne l'information et public au courant qui nous peut faire. Mon pouvoir raison à cause de pas mérite sexy de travail qui devant vous. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable. Honorable George. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi, c'est une promette ministre qui nous pour une libérer, pas à 9h30, mais ministre, on va excuser nous. 10h30, mon corps, on va définitivement dans le bureau. Mr. Speaker, moi, je suis content de remercier le ministre avec son team pour ça la loi. Il prend pareil, le ministre, il n'explique, il prend pas un coup facile. Et il prend la loi qui, à part pour ben du monde qui est intéressé avec l'environnement, qui suscite un grand intérêt. Mais il y a la loi qui est extrêmement, extrêmement important et utile. Et mon cher content, Paris, mon Dieu, remercie le ministre et son team pour qu'ils aient une come to grips avec ça, la loi, après tout ça, bon, l'année, et qu'ils aient amené la loi devant nous aujourd'hui, qui pour passer et qui pour donner nous pays un peu les dents pour aider dans sa travail qui s'est créé pour faire. Monsieur le Speaker, nos besoins commencent en reconnaissant que nous avons un statut champion de l'environnement dans le monde. Et je connais que le ministre lui-même, il y en a un grand intérêt et une grande affection pour sa partie, son ministère. Inclus, bon du monde qui le sentime là aujourd'hui. Et nous connaissons que nos bons dirigeants successifs, ils tout le temps mettent l'accent sur l'environnement. Et nous voyons, la semaine passée même, le président Ram Kalawan, l'autorise, peut défendre un petit peu, bon, pas un petit peu, peut défendre beaucoup et fort, bon, ça cisait l'environnement et le changement climat, qui est un autre volet dans le ministre Joubert. Et ça, Mr. Speaker, en dépit du fait que pendant beaucoup de temps dans nos passés, nous ne préservons l'environnement. Au contraire, nous abîmons l'environnement d'une façon exceptionnelle. On nous pas cause le guano, Saint-Pierre et Assomption. Mais si nous y regardons l'industrie, la viande tortille, côte tortille, tu gagnes viré le lance à coût de 60, 100 dans un seul nuit. Et côte la mer, tu viens rose avec d'autres 10 ans. Dans beaucoup de cas, juste pour gagner calipi, qui sa petit cartilage en plastron avec la coque, qui tu gagnes tiré et mettre dans la barrique pour envoyer l'Angleterre et dans un pays ouas, quand tu fais la soupe avec tout le restant, c'est un byproduct, c'est un discard. Nous connaissons que même dans au commencement de l'histoire, les cocos de mer sont une commodité assez commune au marché international, dans l'époque bonne française, on peut causer. Et qui prit beaucoup de mer et plongé à cause de ce qu'il connaît côté pour gagner lit, that is par l'incurieuse, pour autres gardes son prix artificiellement haut, ce qu'il brille par l'un avec curieuse. Brille bon beaucoup de mer pour qui il y avait un moins le marché, alors le prix va rester haut. Nous connaît qui dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est une grande industrie, Joseph Zoiseau, quand Joseph Zoiseau, tu gagnes collecter pour son zone, tu gagnes mettre dans la barrique, tu gagnes exporter pour faire la peinture aluminium avec, pour peindre bon avion de guerre. Et ça, il en a un grand l'effet, l'eau ça. Le sa commodité, le sa secteur, le sa animaux, le bon oiseau de mer qui pond ici côté nous.
Mr. Speaker, dans une semaine, côte dehors, il y a un grand causé, le 26 de la rue Bazar, et que l'extatie égyptien dans le paradis des enfants, mon papa ouvert un troisième débat, le 19 oiseau, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait nous, comme une nation, comme un pays, faudrait nous garder un lisier, là, mais nous aller, après aussi, nous en vivons un champion de l'environnement, nous ne sommes pas capables de vivre un champion de l'environnement avec hypocrisie, il faudrait nous décider exactement que c'est ça qui nous a envie de faire. Et c'est pour cette raison qu'ils m'ont content que ça, la loi, n'arrive devant nous l'Assemblée aujourd'hui. Mr. Speaker, bonnement, une cause, l'effet qui est capable d'en à travers le commerce dans bonne commodité ou bien bonnes animaux eux-mêmes. L'éléphant, rhinocéros, ça nous compte très bien. Lézard et caméléon, valet de mai, nous fait comprendre. Mais nous aussi susceptibles qui, avec nos bons petits animaux ici, qui rares, aussi susceptibles qui bon grand pays, qui en a bons animaux un peu plus obvious, pareil, l'éléphant et rhinocéros. Et c'est pour cette raison que nous, dans sa balance-là, nous pèse aussi fort qu'aucun des autres pays. Il ne faudrait pas oublier ça. Nos actions, faudrait aussi performant qu'action Kenya et Tanzania et ben les autres pays. Nous subissons beaucoup l'exploitation dans les passés. Baleine, par exemple. Nous tient base baleine. Sainte-Anne tient base baleine. Aujourd'hui, nous sommes champions. L'eau préserve, nous préserve ça l'espèce. Mais malgré ça, il y en a poaching qui continue. Et c'est ça qui m'en croit, qui est à la base, ça la loi qu'il a devant nous aujourd'hui. À cause de ça, la loi, il peut cause une protection indirecte, nous, l'environnement. Et sa protection, ça la loi peut cause nous protège, nous, l'environnement, d'une façon directe. Ça donne les autres la loi, il fait. Mais il fait aller d'une façon indirecte, à cause, il faudrait nous réaliser que le commerce, c'est ça qui est un plus gros problème. À cause, si Mr. Speaker, n'a pas un market là-bas dehors pour défense l'éléphant, tusks, ou bien pour corne rhinocéros, ou bien pour nous petits lézards avec nos petits caméléons dans Vallée de Mai, si tu n'as pas un market, pas tu pour un non commerce. À cause, sa market, c'est lui qui drive commerce. Sa commerce, il drive poaching. Et poaching, il y en a un effet négatif de l'environnement. Alors, il y a un cercle vicieux. Et ça qui est la loi, excites, les une vie en opération. Si on a comment son l'esprit, c'était si on casse commerce ou avant protège l'environnement. À cause si ou en pisse, ça bon l'espèce gagne commercialisé, gagne traded, et ou régularise autres, ou régulate autres, là où elle va capable, présent, bénéficier avec un environnement qui gagne protégé. Et c'est ça qu'il ne faudrait pas nous oublier, il faudrait nous mettre l'emphase, là en mesure qui nous passe à la loi aujourd'hui. Mr. Speaker, c'est régularise commerce, pareil mon Dieu, qui empêche trade dans sa bonne l'espèce. Et c'est ça qui assurait qu'il y ait un programme de conservation, un NGOs, pareil, nous avons banni une cause de là aujourd'hui, qui font partie, nous travaillons l'environnement dans nos pays, à cause de beaucoup d'NGOs qui font ce travail, as well as ministère de l'Environnement. Ces autres, c'est ça, régularise commerce qui donne valeur, travail, protection de l'environnement qui s'abonne NGOs y fait. Et pareil, on dit, nous en avons un grand histoire dans la protection de l'environnement. Il faudrait nous maintenir, nous championnat dans sa secteur. Et je me rappelle que là, je suis encore beaucoup plus un avocat.
Montine Gang envoyé par le gouvernement Cécile pour dans délégation qui est à Nairobi pour négocier Regional Seas Accord, the Convention Law Eastern African Seaboard. Et donc, et nous faisons un travail exceptionnel, côte, sabant l'espèce qui aujourd'hui nous peut causer l'eau là, coco de mer, tortiséan, etc., green turtle, hawksbill, tout ça là, tu gagnes pour t'aiser dans sa convention. Mais nous besoin faire plus. Et ça, la loi donne nous un encadrement pour nous faire plus. Je me rappelle une fois, je suis sorti de Madagascar pour montrer où, Mr. Speaker, qui m'a dit la loi est performante. Je suis sorti de Madagascar, je suis retourné à Cécile. Et là, mon bagage a vérifié, le check-in, j'ai visé l'environnement, il appelle moi, il emmène moi dans la salle et il dit moi, au petit, ou un interdit dans la valise. Je me dis non, on n'a pas interdit dans la valise, on a interdit dans la valise, puis il y a un portrait, et effectivement, tu as un interdit dans ma valise. Et Montine Madagascar pour plusieurs jours, Montine même oublié qui, en effet, ça qui Montine fait, Montine acheté un petit outil en la toile avec qui est paperweight, qui tient un indissable là-dedans, et Montine acheté ça pour moi-même, pour mon madame, et Montine oublié, Montine mettre dans mon valise, et je t'y crois qui, bantou outil radiata, qui est un outil, qui est l'espèce protégée Madagascar, qui beaucoup de monde fait commerce là-dedans, qui Montine PC smuggle. Un petit outil. Donc, si Madagascar est capable de faire, nous aussi nous capables de faire, Mr. Speaker. C'est ça, mon croix, ça qui est la loi, peut demander de nous faire aujourd'hui. Nous avons besoin de prendre nos responsabilités comme un champion de l'environnement et de ça, sa responsabilité à travers tout bon secteur que nous sommes capables, including pour nous, VIN, un partenaire performant dans l'application Convention CITES. Et c'est ça qui nous peut faire aujourd'hui, et c'est pour sa raison que moi, j'ai envie de féliciter le gouvernement en général et ministre en particulier. Nous besoin aussi conscients, Mr. Speaker, que nous pas devons être isolationnistes. Nous pas, je crois qu'il y a une bonne trappe qui nous tombe là-dedans tout le temps, c'est dans nous l'envie pour nous préserver nous l'environnement qui nous empêche tout quelque chose d'arriver. Et mon croix, c'est ça que ça était intéressant, avec son bon appendix. Nous besoin conscients que nous un monde global et que nous tous nous faisons partie d'un seul monde et que pour un an, commerce, pour un an, l'essence, nous-mêmes, nous ici, c'est celle, nous en avons beaucoup l'espèce qui nous a introduit, cannelle, etc., qui, à une certaine époque, qui donne nous un revenu. Et qui aujourd'hui devient un espèce envahissante. Il faut espérer que le ministre Vido apparaît ici et nous souhaite lui beaucoup de courage dans son démarche pour recommencer l'exploitation cannelle. Mais nous devons réaliser que nous aussi, nous gagnons certains bénéfices avec bonne imported species et nous devons accepter que pendant les autres qui peuvent bénéficier de l'eau, ça qui appartient pour nous, ça qui nous devons faire. Et c'est ça qui est la loi qui demande de nous faire, c'est en nous faire lire d'une façon régularisée. Let us regulate the trade. On nous pas empêcher complètement, c'est un, nous avons besoin, mais on nous regulate li pour faire ce qui ça qui pour nous reste pour nous, mais que les autres pays capables enjoy ça qui pour nous, et vice versa, nous aussi nous capables enjoy ça qui pour bon les autres pays. Par exemple, comment on appelle les lipstick palm. Un palmier qui en a un liqueur rouge, qui nous en a une espèce dans Vallée de Mai, mais il National Tree Singapour. Il y en a certains ici, Maé, c'est la cour qui en a sa palmier. Et il y a un joli palmier. Mon père dit ça pas pour dire que nous pas devons être empêchés qu'il faudrait, mais nous devons être aussi conscient que ce qui nous peut demander pour faire, c'est régulariser un trade et laisse CITES avec nos bons scientifiques ici, qui pour dans le ministère de l'Environnement, décider
lesquels sont les espèces qui devraient être dans appendix 1, lesquels qui devraient être dans appendix 2, lesquels qui devraient être dans appendix 3, et lesquels qui devraient être dans red list. C'est les autres qui sont experts, c'est les autres qui pour guider nous. Nous, tout ça qui nous besoin faire, c'est protéger nous l'environnement autant que possible. Et là, je suis d'accord avec l'honorable Gervais Henry, il faudrait l'éducation y jouer son rôle. Et je crois, dans le passé, nous le voir avec mon club, mon wildlife clubs, etc., gouvernement fait un démarche dans sa direction. Nous avons fait beaucoup plus encore et nous avons besoin de conscientiser, nous dit Moun, le qui c'est ça qui est acceptable et qui c'est ça qui n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable s'il exploite un l'espèce. Il n'est pas acceptable pour tout et trois requins, pralins, si ça cause vino bord la côte sans demande un peu plus. Il n'est pas acceptable pour vivre un tortue qui monte pour les vins pond. Il n'est pas acceptable pour tout un carré pour gagner son la coque. Ça, c'est bonne quelque chose qui n'est pas acceptable, il besoin de gagner condamné complètement. Mais ce qui nous besoin de faire, comme un pays, c'est régulariser la façon qui nous exploite nos bonnes ressources. Pour qui nous exploite les autres d'une façon soutenable, qui nous sommes capables d'enjoyer les autres aujourd'hui, nos bonnes visiteurs capables d'enjoyer les autres, et nous avons une génération future qui va être capable d'enjoyer ça. Et c'est ça, mon croix, Mr. Speaker, qui est à la base ça la loi devant nous. Et c'est ça qui amène moi aujourd'hui, encore une dernière fois, remercier Ban qui ne prépare ça la loi et qui amène lui aujourd'hui dans nous l'Assemblée. Merci, Mr. Speaker. Merci, Honorable George. Avec ça, nous avons le ministre pour présenter son réponse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Speaker. Merci, Mme Nourab, qui fait bon commentaire sur la loi. Monsieur Speaker, vous pouvez passer les trois points qui ont été levés en réponse, mais aussi en accord, pour nous accorder avec ce qui est honorable, à cause de quoi beaucoup de points qui ont été mis. Nous tous nous d'accord avec et nous tous nous comprenons raison qui sa bonne pointe est présentée. Et le côté ministère, nous besoin de donner l'engagement pour nous booster dans la direction. Moi, pour prendre en premier, par exemple, commentaire ou sa réponse qui honorable Henri fait sortir, la bonne section qui concerne l'autorité et l'entité qui peut impliquer dans la coordination et application de la loi, section 6, 7 et 8. Mon croix, ça va être qu'il levé, il est vraiment valable. L'application de la loi, il y a une bonne quelque chose qui est vraiment, vraiment critique pour ça, pour ce qui est la loi, il vient à succès. Ça, la loi, nous connaissons, M. Speaker, il pas juste la loi de l'environnement, mais il concerne le commerce. Et il y a aussi en l'application pour les autres CISE, même aujourd'hui, nous pouvons cause COVID. Et COVID, une bonne possibilité qui vient avec, c'est qui possiblement irrelié avec le commerce de certaines espèces qui, naturellement, sont une source de certains virus. Alors, il est possible que, ça la loi, il y en a plusieurs implications et capable en influence le différent aspect de l'existence et de nos sociétés elles-mêmes. Bon, honorable Henri, nous aussi fait référence au bon rapport annuel. On croit correct, le sa bonne référence qui nous donnait le côté CITES. Nous besoin d'améliorer soumission bon rapport avec sa bonne organisation internationale et faire qu'il nous peut update nous record le niveau international des bases régulières par une mentionnée dernier rapport de 2018 et un bon effort qui nous les fait le côté ministère il pas juste pour CITES mais il aussi pour bon les autres activités qui nous fait il est important et ça on met devant bon staff il est important qui nous peut capable rapport le nous performance dans l'année nous besoin capable dire de ça, on est arrivé à faire tel ou tel quelque chose, et il y en a certains CISE qui montent, qui après, il est capable de servir aussi comme une guidance pour nous développer nous dans les autres activités plus devant. Et moi, je suis content que ça, on est 2021, même si nous avons des difficultés avec la situation sanitaire dans le pays, nous sommes capables de rapporter les bonnes activités qui sont différentes sections de faire, inclus les qui travaillent dans la biodiversité, et les efforts que nous faisons, et le succès. Ou ça fait les autres programmes que nous arrivons à mettre en place. Après aussi, une cause de coordination avec différentes entités, contrôle de la frontière,
et que bonne déclaration faux par exemple et bien si l'éducation et mon croyant important qui ça aide aussi il gagne renfort aussi non non beaucoup bonne lien le côté commerce il a beaucoup bonne lien avec contrôle biosécurité de la frontière qui dès quelque chose qui a masteré pour nous ensemble et il m'a assez dans les passés et mon croyant quelque chose qui gagne renfort aussi côté nous bonne dit monde qui peut vraiment ainsi qu'il est on a quand tu visiter quand tu ici qu'elle demande l'endroit protégé qui actuellement sont vraiment gagne exposé et sont vraiment gagne accès avec l'espèce qui en danger il est important qu'il s'aboute il gagne renfort aussi et qu'il nous en a un bon rapport entre bonne différentes autorités mais c'est vraiment vraiment ça vous dire ici qui actuellement bonne dit monde l'environnement et que pareil custom et que biosécurité nous avons une bonne relation de travail. Mais seulement, pareil, on dit, il est important qu'ils nous mettent en place tout bon procédure qui devait être mis en place et aussi nous rapporte l'eau, si nous faisons succès ou bien non, pour qu'ils nous puissent mesurer si vraiment sa relation est 100% efficace. L'importance de l'organisation non gouvernementale, mon coin est élevé, qui est très important. Il y en a beaucoup d'autres qui travaillent dans l'endroit qui peut-être le ministère de l'Environnement n'a pas été couvert. Et il est important que nous continuions dans notre support pour que nous puissions avoir une couverture complète leur territoire à Cécile. Seulement, il y en a quelque chose qui, je crois, nous avons besoin aussi de travailler là, et peut-être l'Assemblée aussi qui a réfléchi là. C'est le pouvoir qui nous a dit qu'il y a un an, le pouvoir qui n'est pas les officiers du gouvernement, le pouvoir qui ont aussi de mérite un an dans différents endroits. Et je crois que ça aussi pour adresser les temps de la loi concernant les protected areas, l'espace protégé, il gagne en main. Qui bon pouvoir, nous autres aussi, on a pour appliquer cette la loi. À cause de partout l'endroit qui bon NGO, ça bon dit monde qui peut travailler dans ces environnements, nous sommes capables d'appliquer la loi 100%. Par exemple, intercepter, fouiller, arrêter bon bateau ou ça bon différents véhicules, etc. Alors, il est important que nous clarifions aussi ça et côté nécessaire, nous renforçons aussi pour qui. Tout le monde qui est impliqué dans la lutte, d'autres formes, d'autres aussi, d'autres bon pouvoir qui permet d'autres d'agir et donner la main pour faire marcher ça la loi, application ça la loi. Le bon les autres points qui ont élevé, moi je voudrais aussi faire remarquer que ça la loi, en bas 3-6, ça la loi, il y en a un morceau qui permet le ministère pour aussi étendre ça la loi un peu plus loin. Et pas juste l'espèce qui concerne Bassaïtis, qui gagne listé Bassaïtis, mais bon l'espèce qui est un petit peu plus en dehors, mais c'est moi qui nous en concerne. Qui fait que nous, comme un pays, nous pouvons faire la loi, bien si, premièrement, pour nous suivre bonne norme internationale, pour nous mériter la loi pour appliquer bonne convention internationale dans nos territoires, mais aussi. Il y a une provision qui permet nous, que nous en avons concerné, dans l'espèce qui n'est pas listée, mais qui nous en concerne, nous sommes capables aussi de créer une bonne procédure, une bonne provision pour nous autres. Et ça est important pour Cécile, à cause, nous connaissons dire dans plusieurs espèces Cécile, qui actuellement, ça ne dit pas nécessairement reconnaître les autres comme une espèce qui est en danger, ou soit qu'on a qui besoin de l'eau en annexe. Et pour mettre l'eau en annexe, il y a plusieurs rapports, qu'on besoin de faire plusieurs évaluations. Mais nous, si on est concerné directement, nous sommes capables aussi d'appliquer certaines mesures et contrôler les transactions de telle ou telle espèce qui, nous, un pays, nous voit, il y en a l'importance. Et nous connaissons aussi nos espèces, nos territoires est petit, territoire de la terre, c'est tout. Et certaines espèces, les quantités qu'ils ont en illimité, alors ils ont besoin pour nous en bonne provision dans le pays. Rapport si ok rapport annuel après il y a certains points qui honorable Woodcock qui levé qui me croit assez important donation bonne l'espèce qui est dans le pays me croit leader government business aussi lève sa point il y en a sa licence qui gagne fait de temps en temps il y en a l'espèce qui nous en a c'est celle qui c'est un pays aussi il voit comment entièrement pouli mais c'est moi qui il y en a existé c'est celle et dans le passé, il y en a un commerce, dans l'espèce, par les tortillères, comme il a commercialisé beaucoup. C'est celui N parmi plusieurs endroits qui tortillères peut commercialiser, même si originalement, il sortit Cécile, mais il y en a un seul endroit qui tortillères peut commercialiser. Et dans le passé, il y a une
fait dans plusieurs endroits. Et aujourd'hui, on a une population qui peut gagner produits, qui peut produire un petit petit, qui peut gagner mettre dans le commerce. Et l'autre côté, mon quoi, il y a un rôle aussi pour l'Assemblée nationale, si nécessaire, si il y a une nécessité, pour aussi mettre un point devant. Si nous avons besoin de l'espèce qui nous concerne et il peut vraiment être concerné pour le pays, mon quoi, il mérite un an. Une discussion là et nous tombons d'accord là, quelle qualité position nous pour prendre vis-à-vis ça l'espèce dans les passés donation il y en a un principe qui n'est adopté en le gouvernement là qui manière donation pour faire soit lesquels qui pourrait faire donation avec mais ça il a gagné amendé et ça il a vienne d'après recommandation l'assemblée et les autres dimoun dans pays et ça il va gagner exécuté par sa ministère qui peut contrôler ça ça peut se dire. OK, M. Speaker, je crois que mon cousin Pélo, presque un des bons points qui nous a élevé. Illégal, oui, activité illégale, sorry. Il y en a un autre point qui est honorable ou qui est élevé concernant activité illégale. Et ça, je crois, il y en a une provision pénalty de la loi. Et mon cousin, qui nous aussi, en mesinois, aller continuer en réflexion, l'eau, c'est vérité, bonne provision, quand il concerne certaines espèces, si tout bon l'espèce qui est vraiment important, qui est vraiment rare. Nous en avons une quantité d'activités autour du coco de mer actuellement. Et la question, c'est est-ce qu'il nous a besoin, comme un pays, en vue que le coco de mer est tellement important pour ces sels, pour prendre l'air, pour nous l'industrie du tourisme, pour nous l'économie. Est-ce qu'il y a un pénalty qui nous en a assez? Et est-ce qu'il peut faire l'effet le bon du monde qui peut gagner à travers avec le coco de mer? Ça n'est pas une question qui nous tous nous besoin de demander les corps. Et si nécessaire, nous avons besoin d'amendre la loi et mettre devant ben, mes yeux plus sévères. À cause de mon l'impression, c'est que pas tout le monde qui sentit l'inquiète par toute la loi coco de mer qui est en place. Et ça, il y a une bonne raison qui dit que les gens continuent à faire des gars au côté de mer. Il y en a certains qui ont attrapé, mais peut-être qu'ils ne sont pas menacés sa quantité par la loi de mer. Peut-être nous devons aussi imaginer la loi au côté de Toroti qui apprend qui dans les passés ont amendé et qui fait des pressions pour les gens pour les autres, pas Asie, pour tout les Toroti. Et nous devons imaginer un peu dans l'année le côté de mer aussi. Et le côté mer est beaucoup plus fragile, il est beaucoup plus limité. Son quantité l'espace qui en a et son population est vraiment fixe et nous besoin vraiment établir quelle qualité d'action que nous besoin prendre le côté coco de mer. So avec ça, M. Speaker, moi pour arrêter là et moi pour demander support ben, même l'Assemblée nationale pour ça la loi. Merci. Merci ministre pour toute l'explication. Avec ça, nous avons voté le General Merit Bill. Mme qui en faveur, lève la main, s'il vous plaît. Bien, nous avons une votée. Bon, vote le General Merit of the Trade of Wild Fauna and Flora Bill 2021. Il gagne 23 votes pour, 0 votes contre et 0 abstention. Bill in passé par l'Assemblée. Et moi, appelle Madame Clark pour faire second reading. Miss, micro, please. Merci, Monsieur Speaker. A bill for an act to give effect to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and to provide for matters incidental thereto. Merci, Monsieur Speaker. Merci, Madame Clark. Avec ça, on a passé dans ce comité pour permettre clarification et amendement. Sorti coup de membre. Mon remarqué, Bill's Committee, ainsi qu'il un rapport avec bon membre, les autres délibérations, est-ce que Bill's Committee y a content commencé là, à sa stase? Vous nous demandez? Yes, please. Merci, Mr. Speaker.
Pareil, nous rapport dit, il y en a un track version qui gagne ce qu'il est. Mr. Speaker, mon poil direct clos. L'état nous peut dans l'interprétation. Nous dit qui dans non-detriment, point clé après troisième année, point clé, ma valili pour qui nous comprend. Non-detriment findings means a finding by the scientific authority that a proposed export or introduction from the sea of appendix 1 or 2 to the convention specimens. So nous pe di incli to the convention ki mo kwa pa se nan ken issue mais mon panel y va di même affaire lo the subsequent l'année quand il met appendix 1 nous di incli to the convention. Moi, continue, Mr. Speaker, qu'on a l'eau. On nous pose un petit moment et une affaire ici qui nous peut gagner sa bonne. Honorable George, je voulais adresser ce point-là. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, avant qu'il m'en fasse sa moi, qui l'honorable Chair of Bills Committee, pan, cause le advertise son premier. Yes. Premier track, il le advertise. Yes. Panel, la carabine, nous qui ont pensé là. Monsieur Knight, oui. Ah, pardon. Justify me. We would have a little bit of reservations with regards to promote sales because it might not always be for sales. It might be both advertisement for non-commercial purposes as well. So if there is a possibility to not include it, it'll be better for us in the context that we had planned when we incorporated this definition. Thank you. On aura abandonné ou on a quelque chose vous dire là? Non, le advertisement, ça veut dire panel pédino pour qu'il y pariété, pas pour mettre in order to promote sales. À cause, pas nécessairement de sales. Si on n'a pas de problème, si panel est senti comme ça, oui. Nous allons continuer. Mais seulement le SAN qui nous dit, my apologies, pareil, on aura George, il dit, mon petit sort advertisement. Présente-nous le non-detriment findings. Oui, on aura George. Avant d'aller là-bas, Mr. Chair, je suis content. Demande panel pour regarder définition derivative of an animal. Derivative of the endangered. May I speak in English, Mr. Chair, because Mr. Knight, I think, will not follow. Please, Honorable. Thank you, Mr. Chair. Derivative of the endangered means derivative of an animal or a plant. It looks like there's something missing, derivative of the endangered, as a definition. It doesn't read well. It looks truncated. I know what the intention is. It's to cover both animals and plants. Mr. Knight, yes. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for pointing that out, Honorable Georges. It should be derivative of the endangered species. Quick, panel in agree. No, continue. Honorable Georges, Honorable Andre. Ah, oui, Honorable Georges. Merci, Mr. Chair. Avant qu'il arrive, côté l'Honorable Andre, il y en a un autre. I'm looking at the definition of introduction from the sea. And I would like to suggest that we say introduction from the sea, in brackets, in inverted commas, or introduce from the sea, in inverted commas, because the phrase introduce from the sea is used quite significantly. I'm looking at clause 12, for instance, and so on. Can we do that? Thank you.
Mr. Knight. Thank you, Honorable Georges. I would agree that we can add introduction or introduce from the sea. Introduction from the sea is a convention text language that is used. That's why we try to adopt it as far as possible. Anything more? Yes, Honorable George. The panel has not responded to the non-detriment finding which the Honorable Chair of the Bills Committee has raised. I would like to I know exactly what the chair means, but the proposed amendment doesn't read well. So I'm proposing to the panel that if we are going to mention convention, that we mention it before appendix, so that it reads exporters from the sea of convention upon appendix one or two specimens. May I? Yes, Honorable. If we are to follow this, a number of issues, if we look at endangered species, convention comes after appendix one, two, and three. So if we are to use this formula, then we should use this formula all throughout where appendices appears. I'm just putting this so that the panel can respond to. Yes, we'll invite together. The panel to respond. Honorable members, we have no difficulty with the proposal from the Honorable Chairperson of the Bills Committee in relation to keeping the words the convention. So are we clear on where we stand on that? In which, Mr. Chair, what I'm asking, in which one? In the non-detriment finding? Or we are, what I'm saying is that in the non-detriment finding, the LGB has proposed that we put convention before the appendix one and two. And I am just suggesting that since in endangered species, we have means an animal or plant listed in appendix one, two, or three of the convention. That's how it's given to us. So we were just trying to get the same form of definition with regards to the non-detriment finding. But since the Honorable George had suggested otherwise, so I'm just saying if the suggestion is taken, then it should be reflected in all other interpretation where the convention would come before the appendices. That's my simple. But if we are to keep it as it is, it has been proposed by the committee that the convention comes after, as is in the definition of endangered species. So we can have it, but it's something that the panel needs to let us know clearly what it is. Yes, Mr. Knight, or Madam, oui. Thank you, Mr. Speaker. If I may, Mr. Honorable, in the endangered species, we had written convention because it read better that way. But if we want to make it similar in both, then we would prefer that we add it in the way that it's written for endangered species. Yeah, it might not read completely well in the non-detriment finding way, but we have no difficulties in keeping it the way you have proposed there. Is that okay? I'm fine. I don't know about Honorable George. Anyway, okay. If we proceed on, yes, Honorable George. Thank you, Mr. Chair. I don't want to labor the point, but it reads very unhappily if we put to the convention after appendix one or two, but let's go along with it if the panel is agreeable to that. But I don't think we need to do it the next time it appears in that definition where it's appendix one, because we've already spoken of appendix one or two. So the second time
I think we don't need to add again to the convention because it follows that this is what it is. Okay. Panel, may I? Clear. Okay. Honorable André, yes, you can proceed. Yes. Okay. So now the definition of owner includes any person for the time being in charge of any endangered species or any person for the time being in occupation or possession of any premises we've recommended that containing an endangered species is added. Thank you. Panel? Agreed? Agreed, Honorable André, yes. Thank you. Okay, now we move to proceed. Trade. The definition of trade means to export, re-export, import, or introduce from the sea an endangered species, whether or not for commercial purposes. Because it only read means export, re-export, import, or introduce from the sea, whether or not for commercial purposes. So we are proposing that the word an endangered species is inserted in the definition. Panel? Agreed. Okay. Thank you. Now, there is a proposal with regards to transit or transshipment, but I just want to have clarity from the panel. Transit or transshipment means where a species is brought into Seychelles solely for the purpose of taking the species out of Seychelles. And does that end follow all the three, A, B, and C? Because there was a proposal after B to put O. So if it follows all, then I would suggest that we remove the O. Thank you. Will panel clarify, please? Yes, Mr. Knights. Thank you, Honorable Member. So the words transit or transshipment are basically language used in the convention itself. The dichotomy between transit and transshipment is something that is still being debated, so we just incorporated both. Now, for us, when we say and here, we didn't necessarily see the need to put the er at B, but it was the intention in any event for them to be separate as opposed to be all conjunctive. So the er, we can keep the er. So leave the O here, yes. The after B. Okay, very well. Thank you. Yes, Chair Bills Committee, would yes. You continue? Yes. Mr. Chair, my one point with regards to Section 8, the proposed, it says in 2, 8.2, a person or an authority appointed under subsection 1 is not required to reside in Seychelles. Are we talking of a Seychellois not residing in Seychelles? Or we are just talking of any foreigner? Because I believe we need to have a distinction with regards to this. If the authority is going, the scientific authority is going to be Seychellois only, or we can have foreigner. But the way it's written, it's with regards to residing, but it doesn't really specify. Mr. Knights will clarify, yes. Honorable Member, so the minister can basically appoint any person, being Seychellois or non-Seychellois. The person can be based in any country, or the authority can be based in any authority, in any country, to assist, or rather to sit on this scientific authority. So this is why we've specified that the person does not need to reside in Seychelles, because we may not have the expertise, but it might be an expert in a different country that you can rely on to provide certain information and guidance on these issues.
I understand, but just one thing, would an authority have residency? I mean, because the way it says, a person or an authority appointed under subsection 1 is not required to reside in Seychelles. I'm just trying to get it clear so that we have proper understanding of this, and the person reading it would understand. Yes, so the authority in itself would be in Seychelles. However, the members of that scientific authority do not necessarily need to reside in Seychelles. So as you can see, you can appoint an individual, being a person, or an authority in another country as well to sit on the scientific authority. Thank you. Very well, okay. So please carry on. Yes, part three. Section 10. The committee, Mr. Chair, proposed that a section be inserted to address offenses, as is the case in most laws. Maybe the panel could enlighten us as to why this is as is, and we do not have an offense section which would address the offenses under this. Because as it is now, it says trade of endangered species, import and export of endangered species. And then it goes directly, this one details an offense. So we're just trying to see why is an offense section not created, and it just falls under this. Mr. Knights, yes? Thank you, Honorable. So if you look at the bill in its entirety, you will note that on the different parts, you have different penalties. So on the part three, the penalties would vary from 100,000 rupees to 1 million rupees. And even on this same part, you will see that you have offenses for 50,000 rupees. So for instance, clause 15. And if you go to part four, you will see that that part four that deals with permit, certificate, license, and registration, those offenses are 50,000 rupees. So it was a little difficult for us to simply put a generic or a general penalty clause there. But if the Honorable Member has a proposal in how we can do this, we would be guided. Yes, the second one is, the proposal was, why don't we refer to the criminal offenses standard scale of fines, which is something that is coming up because it has the different levels, 5, 6 of the schedule. So if we have different levels, so once we amend that particular act, then it would be reflected in this so that we don't need to amend it all the time. That's a proposal that the Bills Committee made when we had our meeting. So would that be of consideration? Mr. Knight, yes. Thank you, Honorable Member. The AG's Chambers can do the necessary amendments under the law revision project. This is no issue for us. For the what you also have to consider is that this bill does not have a commencement notice, and we do not know when the President will sign the Criminal Offences Standard of Scale Act once it is passed by the Assembly. So we don't want to have a situation whereby this bill is commenced before the Criminal Offences Standard Scale of Fines Act. So we would prefer to take that responsibility to make those changes, and when we republish the laws, it will be reflected in the different skills will be reflected in the law. Thank you. Thank you. Is that acceptable? Yes, Honorable George. I'm sorry, Mr. Chair, I jumped the gun. I don't know whether it's acceptable to the Chair of the Bills Committee. I have another point to make on the same clause. Let's take the view.
Okay, Mr. Honorable George, carry on. The chair will respond afterwards. Thank you. I'm, for what it's worth, I see the sense in what Mr. Knight is saying right now. But the point that I wanted to make is a minor one, and it will repeat itself every time we see the same formula for this fine of 1 million rupees. It's to add a comma immediately after the figure 1 million, because as it reads, there is a subordinate clause, and it could lead to some difficulty. So here and everywhere where the same thing happens, I would like to insert a comma after the 1 million in figures. Thank you. Mr. Knight? Mr. Chair, we have, Mr. Speaker, we have no difficulty with the proposal. Thank you. Okay. Chair, before you proceed, may I ask, apart from the report of the Bills Committee, are there other members who have amendments or clarifications that they will want to bring forward? There is. So if that is the case, I propose that we adjourn, that we break now, and that we continue at 11 rather than rush through what we are doing now. Is that acceptable to all sides? Thank you. We will pause now. Speaker, if I see Honorable Arisol has said he has got amendments, is it a substantial amendment? Because if it's a substantial amendment, there's a procedure that needs to be followed, which is 72 hours circulating the amendment. I don't know. We have not received any amendments, so. Yeah, it may be just a clarification or. Yes, if it's a clarification, no problem. Yes. I have been through your report, Chair, and I see that there are some other. Yes. Some other proposals. Yes. Are you agreeable that we break now and resume at 11? You see, Mr. Speaker, the number of proposals are not that many. Mm-hmm. There's about four, mm-hmm. And they are not big amendments. It's okay. Just insertion. So if we can just have another 5 to 6 minutes, it should be. Should be done with. Well, even a little more, yes. Honorable Chair, it will be okay if you can see that we will end in a reasonable time. Okay, yes. So we will proceed. Yes. Okay. The next amendment is section clause 23 B, 1B, where we've. Propose that the word premises be deleted where it is, and it would read as such. There is in any evidence on the premises. Panel? Yes, Honorable George. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, before we get there, I had something on clause 18. May I introduce it here? And yes, then we'll come to that one, because I want to address this one. Let's go in order, yes. Thank you. In clause 18.1, I want to propose in the last line that the word there be replaced by the persons, person apostrophe S. Maintain record of the persons, stocks, and transactions instead of there. Panel, yes. No difficulty with the proposal. Okay, thank you. May I just suggest how we continue? Would read so that we yes, have, Chair. May I just suggest, ask Mr. Honorable George how it would read? Records of the? Maintain records of the person, stocks, and transactions. Okay. Thank you. And then, Mr. Chair, while I have the mic, at clause 23, 1A, before we get to 23.1B, 23.1A, any premises has, I think it should be in the, it should be any premises have. Premises is always in the plural. Panel, yes, please. No difficulty with the proposal. Okay. And if I may address the proposal of the chair with regard to 21.3B,
the chair of the Bills Committee, I'm sorry, there is in any premises evidence necessary to the conduct of an investigation into. I see they have made a proposal to turn this around and to say there is evidence on the premises necessary to the conduct of an investigation into. There is an in which should have been deleted. There is any evidence on the premises necessary to the conduct of an investigation. Yes. I think that's the proposal that is made. Yes, Chair. Yes. You agree? Yes. And panel agrees? Yes, please. Thank you. The next one, Mr. Chair, is where warrant to put it in a capital W instead of small W. Same for 23-2, a warrant. Yes. Correct. Yes, Mr. Knights. Mr. Speaker, we would ask that the word warrant remains in common letters. There are specific rules for the use of capital letters when it comes to legislative drafting. These rules are also set out in Thurton's legislative drafting text. And we find that the proposal may be a misfit in this context. So there's no need for the word warrant to be in capital letters. Chair, you agree with that? Well, if this is what is okay. Required, the last amendment, Mr. Chair, is clause 26.1. The proposal is a person in possession of any endangered species or property. So we would like to insert a person in possession of, therefore any would be small letters instead of capital. Mr. Speaker, we have no difficulty. No difficulty with that. Okay. Agreed. Oh, no, of course. Mr. Chair, I do have a difficulty. I'm sorry. I don't want to be in contradiction of anything. But with the amendment will make the person liable to forfeiture, not the property. And I think I prefer to retain it as it is, with respect. Yes, Mr. Knight. Mr. Speaker, with the benefit of hindsight, I'm also guided by the Ministry of Environment. They too would like to maintain the text as it was before. Yes, I think the way I see it, the sentence would not read right with the amendment. Yes, Honorable George. Mr. Chair, I want to take us back to clause 23, 4B. 23-4B, remove by force any obstruction, etc. In the second line, we only have the word he. I would like to propose that we insert or she for it to be gender neutral. Thank you. 23-4B. Panel. We agree, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Chair, there was one. Yes. The last proposal by the Bills Committee, which was discussed in the presence of Mr. Knight and the Environment Department, but we wanted to put this to the whole House so that it be decided. It was proposed that a list of species of plants and animals covered by the convention in Appendix 1, 2, and 3 be included in the bill. So that the person who's reading the bill knows when he's reading the bill instead of cross-referring to the convention. Yes. Will the panel respond, Mr. Knight? Thank you, Mr. Chair. Thank you. John. Are you on that point, or
Yes, okay. Yes, I would not subscribe to that because the list might change. So if the list changes, then we will have to change the whole drafting of the law, reprint it. So it changes every 3 years. If the scientific authority advises the management authority to do so. So I don't think it is proper to add a list which would change in 3 years or so. Thank you. Well, we have two options. Will panel address? Yes, Mr. Knights. Yeah. Mr. Speaker, we wish to align our position with that of the Honorable Mr. John Wawel. We have incorporated the convention, the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and we have included all three appendices. Now, Mr. Speaker, in the first appendix, there is 1,082 species. In the second appendix, there are 37,420 species, and in the third appendix, there are 211 species. Mr. Speaker, for the Ministry of Environment as well as the Attorney General's chambers, we will have technical challenges managing the law if this proposal goes through. And we also have capacity constraints at our office to regularly publish SIs, and the list in total is over 38,000 endangered species, which would amount to over 100 pages of statutory instruments. So we would prefer that we keep it the way in which we have suggested. Thank you. Thank you. Honorable. That is all for this bill, Mr. Chair. Thank you. From the Bills Committee. Thank you. Okay, we'll now take other. Yes, Honorable George. I have several other proposals for the panel to consider, Mr. Chair, with your permission. Well, yes, now that we have started, we might as well carry on. Very, very short. Please. Clause 30, the last word in Clause 30, subclause 4, instead of compound, I would propose that it be compounding. With the conditions of the compounding. The noun is compounding, the verb is to compound. I see the panel is nodding. Agreed, panel, yes. Next, clause 36.2c. To prescribe the records or documents to be kept, the word by is missing, by the holder. I would like to propose that that be inserted. In the same clause, G, paragraph G, I propose a comma be inserted in line 2 between marking and either and between temporarily and end, so that it says packaging marking either permanently or temporarily to refer to the marking and labeling, etc. I see the panel is nodding. Yes. Thank you. Clause 37 has been dealt with. And then finally in the schedule, paragraphs 3, 4, 5, and 6, the very first word in each of them for consistency, because the first two start with an, I would propose a police officer, capital A small p, a member, capital A small m, an officer, small o, of customs, and a small b, biosecurity officer. Well, you have all that? Yes, Minister. Thank you, Mr. Chair. We just would like to clarify with the Honorable Leader of Government Business whether Section 37 will be struck off. Yes, I understand that it was agreed that that go. I have no problems either way, keeping it or deleting it. The AG's Chambers has explained
why keeping it might be good, but they have no problems deleting it, and I'll be led by the panel. Will the panel please give a final opinion? Yes, Mr. Knight. We had proposed that clause 37 is removed. At the point in time when the bill was published, it was not sent to the World Trade Organization so that the members thereof can comment on the bill. However, the three-month requirement would have lapsed, and we do not see any utility in keeping the provision any further. So we would suggest that the Assembly considers removing it. Is that agreeable? Honorable Madoué? Yes. Okay, yes, okay. LGB, are you finished? I'm done, Mr. Chair, thank you. Thank you, Honorable Madoué. And now we'll see if our members have clarifications. Honorable Barisol, vous ne désallez pas. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon panel fait une intervention bonne au Bill Ministre. Et si mon motion d'ancienne clarification, mon chacun te demande en regard sur section 7G. The type it calls to create awareness and to provide training, education, and information relating to the convention. Je suis en visite de mon ministre parce que en relation avec l'éducation, si tout nous banzen qui montagne une cause là dans son reply, ou qu'on a le temps d'entrer pour le ministre, il y en a sa jolie board qui mettait quoi ban quelque chose qu'on pas gagné de rentrer avec d'un port. Existement là au pays sorti, quoi ban quelque chose illégal qu'on pas devrait entrer avec l'avion. Et ça y est quelque chose que nous tout nous finis habité avec. Même aujourd'hui, la Banque centrale, il display sur bonne currency qui en a. Nous avons un SF qui display sur bonne poisson, nous avons l'or blé qui nous en a. Donc, moi, je suis content de se demander de sa section, l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autodistrict Bélom, par exemple, il vient côté bureau, nous gagnons un poster, même s'il faut des PMT là, qui montre que nous avons une plante endémique, ou bien nous avons des animaux endémiques qui nous en a, c'est celle qui nous devrait protéger pour que sa l'éducation continue, soit il gagne l'école, l'autorité district. Pour dire mon en général qu'on est. Et si moi mon astien bout de la terre par exemple, moi connais exactement quoi qui est endémique le bout de la terre ou bien mon voisin que sous moi. C'est dans l'idée de l'éducation. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable ministre, vous adressez ça, please. Merci, honorable, pour ce point. Merci, Mr. Chair. Je vous passe la parole avec Madame Marimé qui peut ouvrir un beau père quelque chose contre le ministère de l'Environnement. Mais c'est mon mot courant pour dire l'année passée, tiens, non, bon documentation qui est produit. Et mon croyant, bon, c'est une question qui, côté bon point de départ ou sur embarcation, nous mettez certains documentations, certains boards qui fait clair, dit monde, bien clair. Certains items pas dévoués dans notre possession et il y en a bonne conséquence qui vient avec. Mon croyant, c'est important et il y a quelque chose qui nous est capable d'amener et mettre devant comment un bon point clé de côté de l'éducation. Merci. Merci, DJ. Eva Adressa. Merci, M. Speaker. Honorable, nous en avons quantité de posters qui nous produisent. Par ici, tout pour les spécialités, nous avons fait l'exercice. L'année passée, actuellement, nous avons produit. Et bon, c'est seulement dans le format qui nous fait côté Airport. Nous avons advise nous qui fait nous besoin de mettre dans le flip-up chart. So nous avons besoin, comme si elle fait un petit peu plus. Un petit peu plus joli qui est capable de passer pour mettre des portes. Mais en termes de posters, de leaflets, ça pour nous distribuer avec l'école, avec le district aussi, ça nous est capable de faire available si vous avez contacté nous. À cause de nos designs, une quantité ça, et moi connais un staff pour vraiment apprécier si on a sa bonne request qui vient. À cause de nous-mêmes, aller dans l'école, parler pour nous faire sa bonne petit handover comme ça. Merci. Merci, DJ. Honorable Henri. Merci, Mr. Chair. Un point qui m'a pas une cause là dans mon présentation, c'est si c'est corruption dans le commerce, ça bonne l'espèce. À cause d'un quelque chose qui fuel illegal trade, c'est corruption. Ben les officiers souvent lo la frontière, ils capable gagner bribe pour les turn a blind eye to les dangers. Mon peut faire passer quelque chose. Sous ça la loi. And less mon manque, mais sur mon gaieté, mon regret, mon pas noir ou moins clause qui adresse ça, qui dit y a l'offense pour un enforcement officer prend gousse ou aucun quelque chose comme ça. Merci. Oui, who will
address ministre. Merci, Mr. Chair. Mon petit rôde. Donne-nous deux petites minutes, Mr. Chair. Si oui. Mr. Knight, yes. Honorable member, as you would be aware, these enforcement officers are public officers. And under the penal code, there are specific provisions that deal with corruption within the public service. And in our respectful view, that will capture any such activities. Merci. Thank you. Très bien, nous finissons avec clarification. Lola Parabonmom. Very good. Et nous n'avons pas aucun amendement substantiel qui nous besoin de votre Lola. Alors nous sommes capables de passer dans l'Assemblée. Et avec ça, moi j'appelle. Leader of Government Business for third reading, Lou Bill. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on the order 76N, mon move qui trade of wild fauna and flora bill 2021, as amended, et gagne lit une troisième fois. Merci. Et nous appelle bon membre pour voter, s'il vous plaît. Bonne qui en faveur, lève la main. Excuse-moi, avant de voter, nous besoin de seconder. Un secondement, s'il vous plaît. Monsieur le Speaker, Monsieur Content, seconde motion, mais n'est pas au nom d'Abjose, et voter as amended. Merci beaucoup. Merci, Honorable Barisol. Membre qui en faveur, lève la main, s'il vous plaît. Très bien. Le formal third reading, Trade of Wild Fauna and Flora Bill 2021. As amended, 23 membres in vote pour, 0 contre et 0 abstention. Alors, bill in passé par l'Assemblée. Et moi, invite Madame Clark pour faire third reading. Merci, Monsieur le Speaker. This act may be cited as a trade of wild fauna and fauna and flora act 2021. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Madame Clark. Alors, ça. Bill in approuvé. En anticipation, qui nous dit pour finir avec assez de temps, nous avons déjà appelé le ministre pour commencer l'autre bill qui nous en a. Alors, nous répondons au travail, nous prenons pause là, et nous répondons au travail 11h30. Merci. Mais avant nous lever, moi dis ministre, merci beaucoup pour son participation et son délégation et mon souhaite aux autres bon sens dans sa bonne travail qui est devant aux autres. Merci. Merci.